importante. Alors c'est pas le décor qu'on a remis nous, vous voyez les bancs, tout ça, bon, on a refait ça. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est très grand, depuis là où vous tenez, jusque là-bas, jusque devant. C'est une très grande maison, c'est la plus grande maison en fait de la terrasse. Et la maison de cette personne, pour sa famille, ici, mais quand je dis ici en face, tout le grand quart sud-ouest, c'est une maison qui fait entre 15 et 30 mètres carrés. À l'époque. Ils vivent à 5, 6 là-dedans. Mais bon, ils sont pas trop à la maison. Hein. Bah non, ils sont pas trop à la maison. Donc, c'est tout petit, là c'est super grand, c'est super grand, c'est très retravaillé, c'est-à-dire que l'abri ici, il n'est pas que naturel. Alors ceux qui viennent d'arriver, j'ai expliqué aux autres au début que ce qui creuse tout ça, c'est le gel. C'est le gel qui fait claquer des plaques comme celle-ci là. Mais les gens, en Moyen-Âge, ils ont retaillé le sol, les parties arrière, le plafond. Avec quoi? Avec des pics. Parce que vous, ce qui est bizarre pour vous, c'est que vous arrivez ici, vous regardez, c'est une falaise. Déjà, c'est très long de se sortir la préhistoire de la tête. Mais imaginez qu'à l'époque, ils font ça. Ils vont peut-être faire Notre-Dame de Paris, ils vont peut-être faire le Mont-Saint-Michel, ils vont peut-être faire Carcassonne. Ils ont tout l'outillage pour faire ça, et depuis très longtemps. Parce que dire des grands bâtiments de l'Antiquité, évidemment, on a l'outillage qui est déjà. Alors, là, vous avez une tombe ici, là. Ok, bon, celle-là, elle est quasiment effacée, hein, très abîmée. Deuxième. Troisième, quatrième, la cinquième, elle est en très bel état, et la sixième, elle est là. Donc en fait, quand les tombes ont été creusées, elles ressemblaient toutes à celle-là. Si les autres sont abîmées, c'est parce que c'est l'an 800 à l'an 1000, et que les gens ne vont partir de la falaise que pendant les guerres de religion, quasiment en 1600. Donc plus récemment, bah, ils ont agrandi l'endroit, parce qu'ils sont plus nombreux, ils sont passés d'un sol de terre battue à de la pierre, bon, ils ont fait des travaux, ça les gêne, ils déplacent les restes, et ils vont abîmer les tombes. Quand on voit ça, on dit c'est petit. Bah oui, ça dépend. Cette tombe-là, bon, elle est plus grande que la taille moyenne actuelle d'un homme en France. C'est-à-dire que c'est une tombe qui fait plus d'1,76 m. Déjà pas, hein? Par contre, c'est étroit et c'est très peu profond. Mais là, ça n'a rien à voir avec la corpulence de la personne. Parce que ces tombes-là sont ce qu'on appelle des tombes secondaires. Ces gens-là, très importants, des gens d'église, ils ont d'abord été inhumés en bas. Après, quand il ne restait que les ossements, c'était remonté, replacé dedans, et c'était fermé par une plaque qui devait affleurer le niveau du sol de l'époque. Ça va ? Allez, on avance un petit peu. Donc les gens vivent là, vraiment au Moyen-Âge, pour une seule raison, c'est-à-dire que c'est le souci de protection. Sinon c'est absurde, on va pas vivre ici, on est mieux en face, vous voyez, plein sud au soleil avec des terrasses, des barbecues et un verre de rosé, franchement. Pour monter les courses d'Intermarché, c'est quand même plus pratique. Ça arrive. Donc voilà, c'est vraiment, là le fait de vivre en hauteur, les contraintes énormes, ça s'explique parce que les gens avaient peur et qu'ils étaient bien là. Sinon en face, l'alternative c'était de faire un village avec des remparts, des fossés. Donc eux ils vivent sur le rempart, protégés. S'ils vivent là, dans la maison de derrière, ils sont bien parce qu'ils sont 35 mètres au-dessus d'un ennemi éventuel. Mais on a déjà affaire à des gens qui sont certainement quand même un peu plus haut placés dans la hiérarchie médiévale. En bas, il y a l'immense majorité des gens, les paysans, on en voit là, qui se baladent. Vous voyez bien que ces gens-là qui rentrent des champs... Non, je pense pas, il a un très beau pantalon quand même. Donc voilà, donc là ici on est bien. Donc les pauvres en bas, il faut les remonter. Quand il y en a deux, ça va. Quand il y en a plusieurs, c'est là que ça va pas. Quand il y en a des centaines et qu'il faut les remonter avec des vivres, avec leur famille, ça va prendre beaucoup de temps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend quelqu'un, on le fait monter dans l'abri là-haut, alors à l'époque avec une échelle, et cette personne surveille les abords de la falaise. Les gens qui arrivent des Aizy, les gens qui arrivent de la vallée basse, Laval, ben vous les voyez arriver, ils sont chez vous. Donc là, ça va pas. Donc au lieu de recruter un guetteur là, on va en prendre une vingtaine. Et on va les répartir dans une vingtaine d'abris de la vallée. On fait un système de réseau de guetteurs. Le premier en bas à campagne, il donne l'alerte avec une corne, à son copain en face, et ainsi de suite. Et le signal va remonter jusque là. Alors on s'est amusé, on a remis des gens dans les abris, on a voulu voir mais combien de temps ça met. 6 minutes. 6 minutes pour faire 20 km. Vous imaginez le gain de temps par rapport à un ennemi à pied qui va mettre peut-être une journée à arriver là, avec de la résistance sur le chemin, des chemins boueux parce qu'il y a eu un orage hier, etc., etc. Ça va pour tout le monde? Oui.
Oh non, mais c'est déjà pareil. Ah, alors, ça c'est fait. Alors, tout à l'heure, on se posait la question de l'outillage. Mais voilà, du fer. Le fer, c'est l'explication de l'occupation des parties hautes. C'est-à-dire que quand vous arrivez en bas il y a 25 000 ans, vous allez rester en bas pendant presque 25 000 ans parce que vous n'aurez pas ça. Ça, on en a dans la vallée qu'à partir de à peu près 700, avant notre ère. Jusque-là, on ne pourra pas aménager les escaliers, on ne pourra pas grimper. Puis bon, les gens s'en fichent. Ils sont comme vous, ils sont des marcheurs, nomades. Ils se déplacent dans la vallée à la recherche de gibier qui, de toute façon, est au rez-de-chaussée. Donc le bas, le haut, ça ne les intéresse pas. Par contre, après, avec ça, et avec le danger, on va pouvoir monter, on va pouvoir tailler l'abri. C'est-à-dire que si on fait une maison là, on va pouvoir enlever de la matière sur les murs arrière. Et on va pouvoir aussi sortir des pierres. Si vous voulez construire un mur en face, bien sûr, on peut chercher des pierres depuis le bas et les monter. Mais on peut aussi gagner de la place là et les mettre de l'autre côté. Ce qu'on appelle le creuset construit. Donc là, c'est ce qu'on fait, on enlève la pierre. On regarde les cônes. Bah, j'y vais doucement, ça l'indique. Hein. Et puis, on encastre après dans les rainures des coins de bois qu'on va arroser, le bois va gonfler et ça va faire céder la roche. On va récupérer la pierre. On la taille. Une fois qu'elle est taillée, on passe au plus cool, la déplacer. Ça, c'est le truc. Depuis que les gens le bâtissent en pierre, c'est vraiment un truc sympa. Si c'est pas trop lourd, ça, enfin pas trop lourd. C'est déjà un bon bloc. Hein. Donc on a le baillard, un devant, un derrière, on soulève, on part. Il n'y a pas de roulette ou de roue, mais tant mieux parce que quel que soit l'état de surface du sol, bah, vous pourrez passer. Si vous voulez monter un seau sur l'échafaudage, des tuiles, des loses ou un bloc vraiment plus léger quand même, que vous avez sur le dos tous. Il y en a qui veulent échanger, hein. Pour la rando, là. C'est le sac de rando médiéval, oui. Alors, il n'y a pas le matelassage qui disperse l'effort sur l'épaule et tout, qui rend ça plus confort. Donc voilà, donc c'est comme ça, donc ça s'appelle un oiseau. On peut mettre le bloc dessus. Et une fois en bas de l'échelle, il n'y a pas le choix, il faut lâcher une main. Et c'est pour ça qu'il y a deux poignées. C'est-à-dire que vous tenez d'une main et vous avez une main de libre pour prendre les barreaux, grimper. Et on est le bloc en terre. Sympa, hein? Il faut tirer. Alors, d'un côté, alors ça c'est, mettons qu'il y a un échafaudage où vous êtes, ici, et il faut envoyer des blocs dessus. On ne peut pas le faire avec l'oiseau, on prend ça. Donc là, vous avez des cordes, donc effectivement, donc là, on tire, comme ça. Voilà. Et on va réussir à soulever parce qu'on a un contrepoids qui va aider grandement à soulever le bloc. Dès que le bloc est décollé du sol, si vous tenez les cordes et qu'on tourne, ça va tourner puisque c'est monté sur un axe. Donc la pierre qui est là passe là, vous tirez une nouvelle fois, ça monte sur l'échafaudage. Donc ça, c'est vraiment puissant déjà. Avec une dizaine de personnes, 10-12 personnes, on va pouvoir soulever à peu près 500, un peu plus, kilogrammes de charge. C'est très puissant pour un déplacement qui est local, de hisser. Par contre, si vous sortez une pierre, je ne sais pas, à la sortie de l'église, et que vous voulez la ramener là, c'est cette dernière machine qu'il faut utiliser, qu'on appelle le cabestan. Vous avez un axe, vous allez pousser. Plus on pousse loin, plus la force sur l'axe, hein, qu'on appelle le couple, la force tournante va monter, et plus on pourra déplacer des pierres grosses. Donc une corde, au bout de la corde, une pince. Alors, ça me sert toute l'année cette pince. Ouais, je fais de la prévention pour la santé bucco-dentaire avec les scolaires. Ça marche super bien. Et les parents sont en chantier après. Ils sont très bon retour. Quoi. Donc, cette pince qu'on appelle la pince perdrielle, en fait, c'est que plus vous tirez et plus ça va mordre la pierre. Donc, on ne pourra plus, pas se déloger. On pourra la déplacer. Si on veut améliorer les performances, on met des rondins, ça glisse et ce sera plus facile à déplacer. Donc, ça, c'est vraiment quelques objets du Moyen-Âge, quelques machines qui sont utilisées. Il y en a plein d'autres. Mais ça montre qu'on ne fait pas tout à la main à l'époque. Avec le cabestan, c'est la fin de ma visite. Merci d'avoir suivi de ce petit vent frais. Vous pouvez aller au-delà du mur. Il y a une très belle vue sur des zones basses de falaises que vous avez vues dans le film, qui était là où vivaient les paysans à l'époque. Vous repartez sur nos pas. Au bout du tunnel, il y a la partie à faire avant de retourner au bâtiment d'accueil.